c'est un roman où il y a trois voix féminines, avec quand même un personnage central qui s'appelle Lynn. D'ailleurs, c'est le seul personnage qui parle au jeu. Et après, il y a deux autres personnages autour desquels Lynn gravite, qui s'appellent du coup Mine et Françoise, et qui sont en fait Mine, du coup, sa mère biologique, sa génitrice, et Françoise, qui est sa mère adoptive. Et donc, en fait, le roman est une sorte d'enchaînement d'enchaînement entre ces trois voix, avec quand même une place très centrale qui est donnée à Lynn. Alors moi, j'ai choisi de proposer une narration qui n'est pas linéaire, dans le sens où j'emmène pas mes lecteurs d'un point A à un point B, mais il y a quand même une sorte de progression en fait, qui est hyper évidente au fil de la narration, dans le sens où il y a trois parties, en fait, trois grandes parties qu'on pourrait... C'est pas vraiment des parties, mais en tout cas trois temps et trois temps forts dans le roman. Et du coup, au début, on suit Lynn plutôt à l'enfance, en fait. Donc on va dire quand elle a une dizaine d'années. Ensuite, plutôt de l'adolescence à la vingtaine et après la vingtaine. Sachant qu'en fait, il y a tout le temps des flashbacks. Il y a vraiment des allers-retours permanents. Donc il n'y a pas de linéarité temporelle. Mais il y a une progression en fait, d'abord dans la trajectoire de Lynn, parce qu'on la voit, évoluer, on la voit s'affirmer, mais en tout cas il y a vraiment des allers-retours constants en termes de temporalité. Effectivement, c'était hyper important pour moi de proposer un format un peu d'autofiction. Parce que c'est en fait moi ce que j'avais vraiment envie, c'était, moi je suis une personne adoptée transraciale. Et du coup, c'était hyper important de redonner en fait une voix à Lynn, parce que c'est vrai que dans les discours, on entend quand même plus souvent la voix des personnes adoptantes. Donc c'était important de remettre Lynn au centre. Et en fait, le roman s'appelle Sous les strates. Et ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que Lynn, elle est protéiforme. Elle est faite de plein d'histoires multiples. Et que du coup, en fait, il y a certes une première couche visible, mais il y a aussi plein d'autres choses qui la constituent. Et aussi les histoires de ces deux mères, en fait. Et j'avais envie de voir, en fait, comment l'histoire de Lynn, c'est aussi les histoires de ces deux mères. Donc c'était important pour moi de montrer ça. C'est vrai que c'est un autre format qu'un essai politique, par exemple, que effectivement j'aurais pu écrire. Mais en réalité, il y a déjà des essais qui ont été écrits sur l'adoption transraciale. Mais je pense que la fiction a tout autant de pouvoir que les essais. Parce que justement, elle permet cette multiplicité des voix, en fait, ce que l'essai, à mon avis, m'aurait pas permis. Et là, en fait, le fait d'incarner plusieurs voix, c'est ça, en fait, à mon avis, qui constitue une arme pour le collectif, parce qu'en fait, Lynn, elle est faite de plein de choses, et on voit qu'elle fait s'entrechoquer plein de communautés entre elles. Et du coup, oui, je pense que le propos est complètement politique.